Le corbeau et le renard. Il était une fois un corbeau qui vivait dans la savane. Un jour, il tombe sur un superbe fromage. Quelle drôle de chose inconnue ! Tout content de sa trouvaille, il se précipite et le saisit juste avant qu'une autruche ne s'en empare. Aussitôt, la nouvelle se répand partout. « Le corbeau a trouvé une chose étrange qui sent très bon !» Le singe le répète au lion, qui le dit aux zèbres, qui le confie au renard. Bientôt, tout le monde est au courant et tout le monde en a envie. Mais comment le reprendre au corbeau ? « J'ai une idée !» s'écrie le rhinocéros. Intrigué, le renard décide de le suivre discrètement. Le rhinocéros se dirige lourdement vers le baobab sur lequel se tient le corbeau. Boum, boum, ses pas font trembler le sol. Sûr de lui, il fonce vers l'arbre géant et lui donne un bon coup de corne. Bang ! Le baobab vibre de toutes ses feuilles, mais le corbeau, fier de lui, tient bon et garde son précieux trésor. Ce n'est pas la bonne méthode. Pense le renard. Une girafe arrive à son tour. Astucieuse, elle allonge son cou très souple, passe par la cime, replonge dans les branchages, fait le tour du tronc et attrape enfin le fromage du bout de ses dents. Mais le corbeau est plus rapide. Il s'envole d'un coup d'aile avant qu'elle n'ait eu le temps de le dérober et sauve son fromage. Encore raté, pense à nouveau le renard. Derrière les hautes herbes surgissent d'autres animaux de la savane, tous très intéressés. Que vont-ils faire ? Se demande le renard curieux. Ils grimpent les uns sur les autres et forment une pyramide pour essayer d'atteindre le corbeau. Mais que c'est difficile de faire tenir ensemble une antilope, une panthère, un zèbre, une autruche et une fourmi. Le babouin escalade tout le monde, saute sur la plus haute branche et hop, bondit en direction du corbeau. Mais ce dernier s'échappe encore, le cadeau inconnu toujours bien solidement dans son bec. Donc, ni la force, ni l'agilité, ni l'astuce n'ont donné de résultat. Le renard est bien décidé, lui, à prendre conseil auprès d'un sage pour réussir. Il rend visite au plus vieux des serpents. « Oh, serpent qui connaît toutes les ruses, comment faire en sorte que le corbeau lâche de lui-même sa trouvaille qui sent si bon ?»« C'est très simple. Fais-lui ouvrir le bec !» Le renard réfléchit et rit tout seul. Il l'a trouvé. Vite, il retourne au pied du baobab où d'autres animaux se sont rassemblés. Le roi éléphant a même l'air prêt à secouer l'arbre avec sa trompe. Mais le renard bouscule tout le monde et s'avance au premier rang. « Hey, coucou corbeau ! Vous a-t-on déjà dit que vous étiez splendide ? Je vous assure, je n'ai jamais vu d'aussi belles plumes que les vôtres. On pourrait en faire des bijoux. » Le corbeau, séduit, descend quelques branches en sautillant. Enfin un ami ? Il hoche du bec en se tortillant, curieux et ravi à l'avance d'en entendre plus. Pour une fois qu'on ne cherche pas à lui arracher son bien. Le renard insiste. Foi de renard, vous pouvez me croire, j'ai voyagé aux quatre coins de la terre et jamais, jamais je n'ai vu d'aussi magnifique oiseau que vous. Le corbeau, cette fois, est enchanté d'avoir un admirateur. Sans se méfier, il se pose juste à côté de la tête du renard. Mais vous ne répondez pas ? Demande le renard. Vous êtes timide ? Je suis étonné.
Je crois au contraire que votre chant est aussi magnifique que vos plumes, et qu'avec toutes ces qualités, vous devriez être le roi de cette savane depuis bien longtemps. » L'éléphant pousse un rugissement. « Roi ? Lui, ce stupide oiseau ?» Au discours du renard, le corbeau s'est gonflé de fierté. Bien sûr qu'il pourrait être le roi. Il n'a qu'à leur montrer à tous comme sa voix est belle et puissante. Ouvrant tout grand son bec, il prend une large respiration et patatras, voilà le fromage par terre. En un clin d'œil, le renard s'en saisit et, triomphal, lance à tous les animaux. « Chers amis, apprenez que tout flatteur profite facilement de celui qui l'écoute !» Et il file à toutes pattes avant que les autres puissent le lui prendre. Crois-moi, il a compris très vite quel délice ce fromage pouvait être. Tout penaud, le corbeau repart à tire-d'aile vers d'autres horizons, en se disant qu'il s'est bien fait rouler par un chenapan. Plus jamais, jamais on ne l'aura avec des flatteries. Les petits malins ne gagneront pas toujours. Voilà, cette petite histoire écrite par Alexandre Jardin est directement inspirée d'une fable de Jean de La Fontaine dont tu as certainement déjà dû entendre parler. Et oui, figure-toi qu'il a écrit à l'époque de Louis XIV, environ 240 fables, et je suis persuadée que tu en connais déjà plus d'une. Si son histoire t'intéresse, clique sur les liens que je te propose dans ma description. Merci et à bientôt.